Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound V2 A Bit Giraffe. Donc, dans cet épisode, chers amis, ça sera un épisode particulier parce que c'est un épisode tutoriel sur ce petit, stand, de l'outpost, de chaque outpost. Donc, on va aller dessus. Donc, ça s'appelle le easel, hein, ce qu'ils appellent le easel. Donc, Elegantly Automatic Sign Engineering Lithographer. Oh yeah! Donc on va en faire un nouveau, chers amis, donc cliquez sur « Nouveau » pour avoir un nouveau. Donc le « Back », c'est simplement le fond. Donc on va prendre le fond noir, chers amis. Ou peut-être ce fond-là, histoire de... Oh non. On va prendre le « Back ». On va le rendre « Wired ». Je sais plus, oui sûrement, voilà, donc on le rend éclairé en plus. Et on va y aller. Donc chers amis, moi je vais faire un truc en plusieurs parties. En plusieurs parties, donc je prends un calepin sur lequel j'ai fait mon petit dessin. Et comme ça, ça me permet déjà d'une, de ne pas vous montrer ce que je vais faire à la toute fin. Et de deux, tout simplement, de vous donner, de quoi méditer. Donc c'est très simple, vous cliquez sur la couleur, vous choisissez la couleur. Et on va commencer, chers amis, donc on a... des pixels. Alors moi je compte en même temps, chers amis. Alors. Un, deux, trois et quatre. Un, deux, trois, quatre. Donc ici j'ai du bleu. Ici j'ai du bleu. Ici j'ai du bleu. Et tout là, j'ai du bleu. Donc là, on en a un, donc encore 4 autres. 2, 3, 4, 5. Donc au total, ici on fait ça. Là, on fait ceci. Hop. Ça on fait là, hop, là aussi. Alors là je compte 2, 4, 6, 8 chers amis. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ici, on remonte tout en haut, chers amis. Hop, voilà. Donc voilà pour ce qui est de la première forme, entre guillemets, chers amis. Donc ça, c'est la première forme classique, entre guillemets. Ce que je vais faire, c'est que je vais la colorer. Je vais la mettre en gris. Et je vais mettre en gris tout l'intérieur. Alors, je sais pas si ça va marcher. Oui, ça marche. Hop. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier truc. Si maintenant je fais ceci, un petit plus ici, j'obtiens une deuxième frame, ce qui est pratique. Donc moi, la deuxième frame, je la veux toujours grisée, je veux une troisième frame cependant, qui sera d'une couleur assez différente. Je veux une frame un peu plus claire, mais présente. Hop. Voilà. Et je veux la faire durer pendant... quelques frames. Voilà. Donc, moi je vais noter que 1, 2, 3, 1 et 2, pardon, c'est gris. Donc je note ça, je prends un truc. Je note 1, 2, G, 3, 8, blé, bleu. Donc B. Je vais y arriver, chers amis. Donc voilà pour ce qui est du premier. Qui va rester comme ça, donc on va l'imprimer. Hop, on clique une fois sur print, et normalement il arrive ici. Je ne sais plus comment ça fonctionne ça. Si c'est ça, c'est tout simplement ça. Moi je peux faire print un nombre incalculable de fois, et il arrive un nombre incalculable de fois. Parfait. Donc, maintenant, on va faire un nouveau.
chers amis. Et on va reprendre donc. On va reprendre autre chose, autrement. Cependant, Undo, je vais devoir reprendre quelques couleurs. Au moins celle-ci. C'est là que c'est le plus compliqué, en fait, chers amis, c'est de reprendre les différentes couleurs. On va la mettre ici. Undo. Bah non. Ouais, du coup, non. Comment je peux faire ça? Je suis pas très doué encore, chers amis, je dois l'avouer. Hein. Hop, oula, non, undo. Hop. Si, tiens, je sais exactement comment je vais faire. Alors, regardez. Regardez, regardez. Je sais pas si ça va marcher, mais si je le mets normalement. Hop, en input. Je peux le scanner, parfait, parfait, parfait. Si je fais nous, que je scanne, ça me l'obtient. Voilà. Donc c'est pas ce que je voulais, mais on va faire avec. Oula, la caméra qui se barre. New. Donc toujours avec ceci, nous allons donc continuer à faire nos petits contours, chers amis. Donc là, il m'en faut 5 plus 4, et ce sera celui-là. Donc, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Il faut que je sois à 3, j'en ai 3 au-dessus. 1, 2, 3, c'est bon. Hop. Parfait. Crac. Celui-là, on peut le descendre tout en bas, chers amis. Hop. Hop, hop. Et hop. Voilà. Donc, je... en print quelques-uns. Que je mets en dessous parce que celui-là c'est le gris. Et donc là maintenant je fais scan input. Je récupère le gris, chers amis. Hop. Maintenant je fais scan input. Et je peux replacer le gris une fois sur la frame 1 et sur la frame 2. J'en imprime donc quelques-uns. Hop, ceux-là, je peux les envoyer paître. Cependant, ceux-ci, je peux les garder. Je vais donc refaire en input celui-ci pour pouvoir récupérer ce bleu. Hop. Que je place ici. Scan input. 3. À partir du 3, il me faudra donc du bleu jusqu'à 8. Parfait. Donc voilà. Nous voilà avec notre troisième petite chose. Oui, voilà, donc c'est bon. C'est bon pour celle-ci. Donc on a imprimé 10. 10. Voilà, celui-là est terminé. Hop, on va le placer là. Alors, je vais faire en sorte d'avoir 10 ici. Donc, sachant que celui-là, c'est le 3. Celui-là, c'est le 1. Hop, voilà. 3 et 1. Parfait. Donc je replace n'importe lequel des deux en 1, en input, et je fais un new. Je scanne, je récupère les bonnes couleurs, je refais un new, et on y retourne, chers amis, on en fait un dernier. Donc avec toujours la même couleur, donc on va prendre toujours 5 de base. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3.
3, 4, 5. Ce sera là. Non, c'était en dessous. Donc, 1, 2, 3, 4. C'était pas là non plus. 1, 2, 3, 4, 5. C'était là. 1, 2, 3, c'est là. Précisément là. Hop. Je place ça là. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Et je place cela aussi. Là, je place ça. Là, j'en place là. Ici, il n'y a pas beaucoup d'actions dans cet épisode, chers amis. Hein. J'en suis désolé, mais bon, c'est ainsi. 1, 2, 3. Là, j'ai 3 cases entre 2, je l'espère. Hop. Hop, hop. Hop, hop. Un T. Ça me semble bon, chers amis, jusque-là. Hein. Ce que je fais jusque-là ne semble pas trop rempli d'erreurs. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, donc... 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4. Ça me semble bon. Ça me semble même parfait, chers amis. On y arrive. J'en imprinte quelques-uns. Hop, voilà. Comme ça, hop. Je scanne l'input. Je récupère le gris, le fameux gris. Je scanne, je remplis de gris, je fais 1 et 2, j'imprime, hop, je vire cela, je reprends celui-ci, je le scanne, je récupère ce bleu. J'imprime celui-ci, je le scanne, je rajoute 3, je remplis de bleu, 4, 5, 6, 7, 8. Je les imprime, je les récupère. Hop. J'espère que vous avez compris à quoi ressemblait donc cette image. Hop. Gate. Et on remonte sur le vaisseau. Donc. Il y a un truc qui va me gêner. D'accord, donc elle ne sert que pour la lumière celle-ci. Donc c'est pas plus mal. Hop. Je la replace. On va la placer ici, c'est pas grave. En soi, ce n'est pas grave. Hop. Parfait. Et donc, je place ce premier signe. Hop. Alors, j'espère que je vais pouvoir les placer devant le... Hop, voilà, ce deuxième signe. Et je ne peux pas le placer devant le truc. Bon, bah, c'est un spoil, chers amis, je vous ai complètement spoilé le truc. Alors je sais pas si je vais pouvoir les assembler tous ensemble, hein, je l'espère. Au niveau de la chronologie en fait tout simplement. On va aller le mettre là parce que c'est le bâtiment le plus qui me plaît le plus après tout. Ah je peux pas le centrer. Bon, c'est pas grave. Hop. Et voilà chers amis. Voilà, voilà, voilà. Et je me demande, tiens, si je peux pas. Non, je ne peux pas. Cependant, ce qu'on peut faire, par contre, c'est... Ah, zut. Faire correspondre chaque côté.
Et vous verrez que normalement ils s'allumeront en même temps. Donc on laisse s'éteindre. On y va et paf, ça s'allume. Voilà. Voilà chers amis, donc le petit tutoriel sur les signs. Je l'espère assez complet, après je ne suis pas un grand artiste, hein. J'en suis désolé. J'espère cependant que ça vous aura plu. Beaucoup me l'ont demandé assez tôt d'ailleurs dans la saison 2 donc de Starbound. Bon, c'est pas grand chose. Mais voilà à quoi ça correspond. Alors sachant aussi que j'aurais pu changer les bordures il me semble. C'est quelque chose que je vais peut-être faire. Hein. Je vais aller regarder vite fait. Vu qu'on est encore dans l'épisode ensemble, on va aller vérifier ensemble. Ça me semble tout ce qui est plus normal. Je vais virer les anciens, maintenant que j'ai les nouveaux complets. Hop. Ah oui, forcément, c'est quand j'arrive là-dedans. C'est bon. Hop. Est-ce que normalement je pouvais changer le... Ah non, je peux pas changer le... Le comment le... Ah si, je pouvais. Chers amis, je suis désolé. On va aller faire ça tout de suite. Je vais vous les changer maintenant. Hop. Scan input. On va les mettre en blanc. Dix. Parfait. Hop. Scan input. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Scan input. Parfait. Voilà, chers amis. Donc, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à commenter, à partager, à vous abonner, à vous présenter dans les vidéos pour simplement participer à des sons de tournage. Je vous invite aussi à ceux qui sont les plus grands artistes d'entre vous, ou même ceux qui en ont vu des sympas sur le net, hein, s'il y en a qui peuvent trouver des trucs téléchargeables ou je sais pas trop quoi. N'hésitez pas à des plans, même rien que des plans, des canevas en fait, ce serait intéressant. Quoi qu'il en soit, ouais, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à me montrer vos créations si vous les trouvez belles. Et moi je vais aller installer ces derniers tout simplement signs et oula et runtime error. Je suis désolé chers amis. Donc je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, à la commenter, à la partager, à vous abonner, à vous prendre dans les commentaires pour participer à l'édition de son âge. Et je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Salut les gens.